Bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien manquer car l'information vous donne accès au monde. En 2019, l'Algérie avait soulevé le trophée de la Coupe d'Afrique au Caire. 24 nations pour succéder à l'Algérie et une seule couronne. Alors que la CAN 2022 débute ce dimanche 9 janvier à Yaoundé. Voici les favoris, les outsiders et les équipes à surveiller pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique. Les favoris. Numéro 1. L'Algérie. Championne en titre, l'Algérie est la principale favorite à sa succession. Le pays a survolé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et ceux du Mondial 2022, 4 victoires et 2 nuls dans les deux cas. Surtout, l'équipe de Djamel Belmadi reste sur une impressionnante série d'invincibilité de 33 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, record africain en cours. Et, comme si cela ne suffisait pas, son équipe A, sans les joueurs européens, vient de remporter la Coupe arabe au Qatar, menée par Youssef Belaïli et Yassine Brahimi, en feu durant le tournoi. Attention cependant, le statut d'ultra-favori peut être lourd à assumer. Numéro 2. Le Sénégal. Et si cette édition au Cameroun était la bonne pour les Lions de la Teranga? La question revient avec insistance à chaque Coupe d'Afrique alors que le Sénégal est toujours en quête du premier trophée de son histoire. Finaliste en Égypte où il s'était incliné face à l'Algérie, les hommes d'Aliou Cissé seront à nouveau de sérieux prétendants à la victoire finale. L'effectif est de qualité, entre le meilleur gardien africain en activité, Edouard Mendy, la superstar Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et le jeune Bamba Dieng. Numéro 3. Le Cameroun. Il faut toujours se méfier du lion qui dort. Sur le papier, le Cameroun ne dispose peut-être pas du meilleur effectif de son histoire mais il disposera de l'avantage d'évoluer à domicile. D'ailleurs, lors de son dernier sacre en date au Gabon, personne ne le voyait champion. L'histoire pourrait se répéter. En tout cas, le sélectionneur portugais des Lions indomptables, Antonio Conceição, y croit. Il a fixé comme objectif d'arriver au moins en finale. Numéro 4. L'Égypte. Impressionnant ou pas, les pharaons sont les éternels favoris de la CAN. Sélection la plus titrée de la Coupe d'Afrique des Nations, 7 fois championne, dont 3 fois d'affilée en 2006, 2008 et 2010, l'Égypte s'est rassurée lors des éliminatoires après une CAN à domicile complètement manquée. Brillant en Angleterre et en Europe avec Liverpool, Mohamed Salah va tenter de porter sa patrie jusqu'à un nouveau titre continental. Les outsiders. Numéro 1. Le Maroc. Une défense de fer en éliminatoire de la CAN, un seul but encaissé, une attaque de feu en éliminatoire du Mondial 2022, 20 buts inscrits, soit le deuxième meilleur total derrière l'Algérie, et du Tchad 2-0-2-0. Les Lions de l'Atlas sont fins et sont devenus une machine de guerre. Leur collectif est tellement rodé que le sélectionneur Vahid Halilhodžić peut se payer le luxe d'écarter les joueurs Hakim Ziyech, Chelsea, Nusser Mazraoui, Ajax Amsterdam, ou encore Amin Harit, OM, sans que cela affecte sa performance. Numéro 2. La Tunisie. La qualité du football maghrébin n'est plus à prouver. Il est donc loin d'être illogique de trouver la Tunisie dans cette liste aux côtés de voisins régionaux. Les Aigles de Carthage ont signé le meilleur résultat comptable des phases de groupe avec 16 points, 5 victoires et 1 nul, et peuvent croire désormais en leur chance de succès. Le sélectionneur local, Mander Kebayer, fait un bon travail avec l'équipe qu'il a menée en finale de la Coupe arabe mais qui semble souffrir contre les grosses formations. S'il veut emmener les siens vers un deuxième sacre après celui de 2004, il devra trouver la solution. Numéro 3. Le Mali. Un effectif jeune et enthousiaste, un sélectionneur respecté en la personne de Mohamed Magasouba, des performances encourageantes, un sans-faute lors des éliminatoires du Mondial 2022 et surtout une défense de fer. Le Mali ne manque pas d'arguments avant de débarquer au Cameroun. Les Aigles pourraient bien être la surprise de cette compétition. Numéro 3. La Côte d'Ivoire. Depuis son dernier sacre dans la compétition en 2015, la Côte d'Ivoire a changé de visage. Exit les Yaya Touré, Kolo Touré et autres Copa Bari. Place à un effectif rajeuni mais tout aussi talentueux, entre Serge Aurier, Max-Alain Gradel, Franck Caissier, Wilfried Zaha, Nicolas Pepe ou encore l'Ajaccid Sébastien Haller, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions. Une génération d'éléphants qui a bien l'intention de tout écraser sur son passage sans attendre sa CAN à domicile, en 2023. À surveiller. Il faudra également se méfier des Super Eagles, Nigeria, 3e en 2019, et des Black Stars, Ghana, régulièrement dans le dernier carré lors de la décennie écoulée.
L'Éthiopie va faire son retour dans la compétition continentale en signant une deuxième participation en 40 ans. Une renaissance pour le football éthiopien, ancien géant du continent. Les Panthères du Gabon, 3 ans après avoir raté le coche de l'Égypte, seront aussi de la partie. À noter que 2 équipes disputeront la Coupe d'Afrique pour la première fois, la Gambie de Tom Saint-Fié et les Comores d'Amir Abdou. C'était tout pour cette tranche d'information. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer sur l'actualité africaine et mondiale.